Alléluia, nous gardons un bel bonjour. Encore Guadeloupe, nous gardons Alléluia. Nous comptons ces jours là parce que nous avons passé un moment. Guada, Guada, que la Guadeloupe soit bénie. Et vraiment que bon Dieu a béni la Guadeloupe pour tout conflit. Béni toutes les autorités de la Guadeloupe. Béni tous les syndicats. Ah, Seigneur, nous avons combien la Guadeloupe a gourmé, qualité. Mais nous avons dit grâce bon matin que la Guadeloupe bénit. Et Seigneur, si nous pouvons porter en pierre à l'édifice, afin que Seigneur, Papa, bon Dieu, parole, nous puissions glisser en disant parole, bien que nous sommes plein pasteur, la Guadeloupe, qui a prêché l'évangile là, mais Seigneur, si nous, parce que nous avons 2 millions de pasteurs qui ont prêché, nous ne pouvons jamais ça en Guadeloupe, nous tous seuls. Alors c'est pour ça, Seigneur, ouvre la porte à nous, Seigneur Jésus, et que vraiment, vraiment, le règne de Dieu qui a descendu, qui a nettoyé la Guadeloupe de la fondation jusqu'au toit, jusqu'à l'extrémité pays. Amen. Que bon Dieu qui a béni nous, et nous a dit un bel Alléluia, et restez bénis. Bon matin, je dis à mon lébao en verset, parce que ni un lot mon gars dans a fait confusion de la Sainte Seine. Wow. Alors nous avons Adam 1 Corinthiens 11 verset 23, nous n'avons pas même besoin d'aller là. Ça, au cœur encore compte que c'était lorsque bien entré de belle, encore c'est l'apôtre Paul qui était capable là. Et qui a dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne. Et puis l'apôtre Paul constatait que ça y qu'a enseigné, il y a un problème à dans ça. Alors l'apôtre Paul prend Timothée et puis Apollos. Et puis vous voyez des sons qu'il est Corinthien et qu'il est Éphésien. Timothée allait quand il est Éphésien, Apollos allait quand il est Corinthien. Et là, ils sont venus, ils ont vu reporter un constat. Ou pour aller, on y a un monde qui a travaillé bien, il faut faire un constat. Il a constaté, ici, il a constaté si ça est vrai, si ça n'est pas vrai, et puis il a viré, porté par l'autorité pour dire, mais c'est ça, mon ouais. Et puis il a écrit, mais c'est ça, il a écrit là, c'est, il dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de films, beaucoup de boiteux, et beaucoup sont morts. Et alors, regardez ça, hein? Regardez, et bien, qui ça qui fait? Eh bien, moi, je bien comprendre, bien suivre. Là, il y a eu reporter la commission à la porte Paul. La porte Paul constatait que, oh, il y a un côté qui l'a cette scène qui a fait bien. Et puis, en l'autre côté, quand il s'est corinthien, comme c'est en série Bougmal et Livre qui était là, il a fait ça en forme d'agape. Voilà. Et puis, les corinthiens ont fait ça en forme de la cette scène. Alors, l'église a été augmentée. Et quand il s'est corinthien, l'homme n'est pas mort. Pour qui, parce qu'il était fait un agape, il a apporté 10 kilos pour lui, il a mangé 9 kilos, il a fait cholestérol, il a apporté 16 litres de jus, il a pris 10, boudin gros, ça, il a attrapé problème, moi aussi. Et quand les collègues, quand les Éphésiens étaient capables de boire ça, ils ont mangé le corps et boire le sang de Jésus, et puis. Alors, il n'y a pas de constat. Et puis, le constat arrivé, l'apôtre Paul mettait ça devant Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, ah non, là qui n'y a confusion, Jésus qui a intervenu, frère. Là qui n'y a confusion, Jésus qui a intervenu. Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, je vais inviter au Guada à ouvrir Bibouad dans Jean 6, à partir du verset 50. Et qui a dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel, Jésus, qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Frère, mais, avec quelle confusion qu'on trouve là? Et puis je dis, ou quoi là dans l'église, il a commencé à dire, ceux et celles qui sont démoniaques, asseyez-vous. Et ceux et celles qui sont Jésus, mettez-vous debout. Alors que j'ai bah, démoniaque qui a dit dans le monde. Jésus n'est pas venu condamner, est venu sauver, frère. Pas fâché puis moi, parce que moi, ça va être qu'il fâché puis moi. De l'église qui est fâché puis moi. Autant nous pas jamais, ouais. Gardez la Bible bien, lis le texte, si vous avez tranché un monde. Gardez, lorsque dit dans l'église, la première chose pour faire, vous avez fait une démarche, vous avez fait la prière de la repentance qui a trouvé que Adam, Romains 10, verset 8. Là, vous faites une démarche, là, et bien, vous avez fait un enfant de Dieu. Alléluia. Et même si c'est un enfant de Dieu qui a 15 minutes, et puis vous avez dit aux autres qui ont 50 ans dans le Seigneur Jésus, quand il garde des lèvres qui mène ou quoi fait ça. Et là où on prend la certaine, bon Dieu dit quoi, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, ah, il ne dit pas, oh, ah, ah,
la vie de Dieu en lui et m'a ressuscité jour là. Est-ce que vous avez dit que c'est vous qui avez convaincu le monde ou qu'il y a 6 mois pour baptême, pour baptiser et pour là, ou là, et puis vous avez privé l'Église de la là. Mais frère, ce n'est pas ou pas Adam. Hein. C'est le Saint-Esprit qui enseigne nous tous. Et si vous avez quitté le Saint-Esprit fait travail là, le monde a mieux converti qui vous a suivi pendant 6 mois pour apprendre, pour faire court baptême. Dans 6 mois, si on a pas en l'air, il mort, c'est où il y a ni compte à rendre mon Dieu. Parce que mon Dieu, pas de comme ça, enseignez-les, baptisez-les, il doit baptisez-les et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Alléluia. Vous savez que ça, nous avons fait l'inverse. Et puis je dis à nous avons crié, et puis nous avons fâché là, en l'autre cas de ça. Là, vous avez institué Bagaïta là, je dis à, là, institué Bagaïta là, je dis à. Ou pas s'attirer dans l'église là, puisque c'est comme ça qu'il y aura pour nous. Et surtout, je dis, on ne peut pas fâcher plus moi, c'est surtout, ben, là, qu'a fait un pile de gaz, c'est la théologie. Aïe. Oui. Aïe, 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 aïe. Nous avons sorti de ça là. Ça tout va. Nous avons sorti, nous avons sorti. Quand je vous dis, Seigneur, ce que je viens, je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez et mangez ceci, est mon corps. Mm-hmm. Est-ce qu'il dit c'est pour démoniaque? Est-ce qu'il dit c'est pour un chrétien? Mm-hmm. Est-ce qu'il dit c'est pour monde qui a baptisé? Et qu'elle nous a constaté que jour là, des gens qui sont très religieux, qui a dit non, 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 qui a même tiré la sainte scène en meilleur des gens dans l'église, qui a venu poser des lois. Mais qui loi, mon Dieu, dit-vous? Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est qu'il a parlé de plaisir parce que c'est lui le seul corps. Il a développé, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit de prendre ce pain. C'est la sainte scène qu'il a dit. C'est le corps. C'est le corps qu'il a parlé, afin de rendre le corps pur. Ouais. Mais il n'a pas dit, c'est pour si là qui parle à l'église là, il pas dit ceci là qui est regardez, le corps c'est le corps, voilà. Le corps surnaturel. Regardez c'est comme un picot. Nous ne pouvons pas y valer encore comme ça, nous pouvons valer le corps surnaturel. Et les choses naturelles sont visibles, les choses surnaturelles, c'est les choses de Dieu. Les choses surnaturelles, fais attention. Et vous savez, si il y a un corps, et puis qu'il y a un sang, c'est pour quoi et puis pour sang. Pour quoi est-ce un cadeau là? Et bon Dieu a dit c'est pour la vie. La vie, mon Dieu, l'homme mange le corps ou boit le sang, c'est la vie de Dieu qui entre en l'idon. C'est même manière, le testament qu'a signé le nom de Jésus. Et puis l'enclin, c'est le sang de Jésus. Est-ce que je dis à Fordon, vous savez qui ça? Bon Dieu dit comme ça. La création tout entière qu'a attendu, qu'a soupiré la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Madoua, là on passe par l'école du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'a en nous professeur, qu'a bon bac plus 25, sans apprendre à rien. Moi je dis à ma cadeau, je perds la notion du temps. Je ne sais pas si on est un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, je ne sais pas si on est ouvert, fermé, je suis ouvert. Le jour que Jésus parlait à moi, dit dans pour belle âme, il dit Alain, Alain, 3 fois, aujourd'hui je te délivre, va dire aux autres ce que j'ai fait pour toi. C'est ça que je suis venu là, bon matin. Eh bien, je me dis comme ça. Là où je me couche, je me mettais comme devant la parole de Dieu, je ne sais pas si ça écrit papa et puis toi, je ne sais pas si ça écrit papa et puis toi. Je dis, ah, bon Dieu, qui a quitté verset, on dit de tête, moi, et moi, ça, c'est pas bien, moi, là, c'est pourquoi quand je prêche pour toi, je te dis, ne t'appuie pas sur moi. Appuie-toi sur la parole, la louange et puis la prière, tu ne seras pas déçu. Mais ne t'appuie pas sur moi. Moi, je sais qui ça m'a vivre, le Seigneur Jésus. Moi, je sais qui ça, bon Dieu, là, bon Dieu, tire moi, et puis qui ça y fait, moi. Et je dis, ah, moi, un grand amour, ben, c'est pour ça qu'on dit, Jésus, je t'aime. Je te fais un gros bisou. Alléluia. Papa, moi, maman, moi, yish moi, yo pate sa la Dieu, yo pate sa mene moi à délivrer comme moi. Yish moi, abandonne moi, yo te ka ouman l'entre toi, yo te ka traverser l'autre côté. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand Jésus rentre dans une vie, aujourd'hui, toute ma famille est à côté de moi et je vis avec mes enfants. Et je peux dire à mon épouse, mes enfants, je vous aime. Au nom de Jésus, je vous aime. Amen, 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 amen. Je dis à mon épouse Bébélous et la Oudos, je vous aime. Et puis, moi, 6 autres. Dans la vie, je suis amené comme ça. 3 par là, 2 par là, et puis au moins 5 mamans différents.
C'est pour dire que je dis, là où le Seigneur tire dans la vie, ou quoi commencer à respecter bon Dieu, à mettre la parole de Dieu en pratique, et puis veiller en les madame, en les l'agent, et puis en les la gloire. Pas quitter personne levé, frère. Pas quitter personne levé. Là où levé, c'est pour faire ce water. Quitter bon Dieu levé. Et c'est pour ça, bon matin, le bon Dieu qui a eu la révélation. Et où chercher au courant si c'est par la porte Paul qui a parlé de 1 Corinthiens 11, verset 23. Et puis là, moi qui a parlé là, à de Jean 6 à partir du verset 50, c'est Jésus qui parle là. Tu n'as pas, quand Jésus parle, tu n'as pas de confusion. Mets ça en pratique tout simplement. Et tu verras la gloire de Dieu. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Tu l'écoutes, tu l'entends, tu parles. Et tu mets la parole de Dieu en pratique. Et puis la victoire assurée. Vous voyez qui ça a été dit Josué? Il dit Josué, ne t'ai-je pas dit que si. Regardez, bon Dieu dit Josué, mais c'est toi qui vas amener ce peuple à Canaan. Josué dit, mais Seigneur, je ne suis pas capable de mettre pied moi dans des souliers Moïse là. Moïse va trop traverser pour Jodia. C'est moi qui a dit, mais Josué, bon Dieu dit comme ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Où tu ne sais pas là? Que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Alors, même quand bon Dieu dit Josué, il n'y a pas qu'à abandonner là. Il n'y a pas qu'à délaisser là. Où est-ce que moi, je dis là? Il dit Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne mon esprit. Cher cet esprit, fais ta demeure dans mon cœur. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Parce qu'il t'a dit, c'est si tu confesses de ta bouche et si tu ouvres ton cœur, je rentre. Sans la porte, sans poignée, il n'y a pas de poignée dehors. Il a frappé, si vous ouvrez le poignée, ouvert, il a entré, il a soupé pour vous. Si vous pas ouvert, sans gentleman, il a qui ouvert d'avant. Vous comprenez ça, un poignée sans la porte. Et vous dites que vous connaissez la porte là, ouais. Ah, mais pourtant, ça, c'est une plus belle porte qui dit ça. Vous ne pouvez pas comprendre. Jour là, ça arrive, là, là. C'est-à-dire que vous trouvez en transformation. Moi, ça arrive, moi, là, t'es en minuit, on joue, on voit qu'à sortir un long pour chaque tombe à terre. On voit qu'à tombe à terre, qu'à tombe en repentance. On voit un sentiment qui a commencé à démonter tout ça, y en disant, comme moi, pendant 5 heures de temps. 5 heures de temps, 5 heures de temps, les couches en moi. Et madame a dormi profond son bain, a crié, il bat en moi. A ka vraiment, a descendu à terre là. A ka voir qu'a tombé en prosternation. A ka tombé à genoux. On l'a dit, le Saint-Esprit n'a arrêté en pépin encore. A voir qu'a décollé en les couches là. Rien a monté comme si il a raché chaque membre. A bien, a dit, c'est une résurrection. Des gens qui connaissent moi et qui viennent connaître moi auparavant. Je dis là, il va dire, on va comprendre moi. Mais frère, même si vous êtes traité en toutes sortes de vitesse, mais aimez-vous. Même si vous êtes traité, frère, moi, de toutes sortes de vitesse, nous aimez-vous. Amen. Parce qu'il va dire, il va avoir une résurrection. Mais moi, il va dire, vous avez aimé, on l'a, pile même. Eh bien, il va dire, je dis là, arrêtez, confusionnez, corps azote, tête azote. Parce que ce n'est pas l'esprit azote qui a manifesté, c'est l'esprit à mon Dieu. Arrêtez, rentrez dans le jugement. Ne jugez pas, mais qui j'en ai pas lu, parole là, j'en ai pas compris. Le pasteur Alain a parlé de la sept scènes, mais c'est là qu'il a dit plusieurs membres d'un seul corps. Ça veut dire que pour la remission des péchés, il n'a pas dit, il vient pour un seul. Il a parlé dans le livre de Jean 6, la résurrection. La résurrection qui j'ai guéri les malades. Viens et vois, et là, j'en ai venu, j'en ai vu, et qui j'en ai guéri les malades. Mais je dis là, en cas de senti, et il a dit que nous avons une douleur au dos. Mais en dos, il a descendu en colonne vers le bois, il n'y a pas rien. Et si vous avez quoi? La matière, si vous avez quoi? Je ne sais pas si vous avez quoi? Si il a une douleur. A pas même qu'il a dit qu'il a déposé l'onction là, mais nous l'onction, il a descendu en dos là à présent. Et que je dis là, quoi seulement tu verras la gloire de Dieu, tu es déjà guéri. Et je relâche cette onction sur toi, je relâche cette guérison. Au nom de Jésus, Alléluia. Viens et vois. Ça, bon Dieu a fait. Parce qu'elle lit, paralytique, elle restait 38 ans. Qui est-ce qui jette un dollar? Mais mon Dieu a dit, viens jeter un dollar. Jette un dollar pour moi. Jette un dollar pour le pasteur Alain, pour tant d'autres. Il n'a pas demandé nous de rentrer en confusion, en polémique. Il a demandé nous seulement de porter parole. Il restait dans la simplicité.
Les critiques, les jugements, ça fait oui, qui moun qui nomme ou qui moun qui passe, nous ka arrêter avec ça. Parce que mon Dieu, quand on dit moun même, il ka mette, il ka mette, il ka prédiquer, il mette, il ka prêcher. Parce que la guérison, c'est la résurrection du corps et de l'âme. La guérison, c'est la résurrection des pensées. Les pensées que tu as auparavant, ce sont des pensées superflues. Les pensées que tu as auparavant, ce sont des pensées qui tombent dans ce canal sacré qui n'est point clair, qui n'est point limpide. Cherchez cette eau fleuve, cette eau limpide qui coule et qui puisse jaillir dans tes membres et que tu puisses croire à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça, mon Dieu, comme les autres. Il va demander un lien d'autre. Il va demander humilité, simplicité. Il va demander arrêter pour l'église. Mais c'est vous qui l'église là, pas moi qui l'église là. Ça doit être l'église là, c'est plusieurs membres. Mais lis la parole là. Écoutez, ça frère l'a dit. Quand il a dit, lève-toi et marche. Jette-toi dans cette eau, afin que tu sois lavé au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça, mon Dieu, comme les autres là. Alléluia. Et c'est pour ça, vous savez, comme nous arrivons sous la fin de mission, en somme pour moi qui était bon. C'est premier somme là. C'est somme pour commencer et nettoyer caillou. Nettoyer caillou, nettoyer corps, nettoyer langue. L'Éternel cadeau, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditez jour et nuit, faites comme bœuf là. Mangez plein boudon et puis les soirs couchez et puis ruminez. Il est comme un arbre qui donne son fruit à sa saison, dont le feuillage d'un seul fruit. Point. Bientôt, c'est que la saison mango, guada. Lorsque vous prenez un mango, vous avez cette saison, il a tout partout, il est là où tu as un mango. Et il dit tout ce qu'il fait, lui réussit. Et la voix des pécheurs mène à la win. Souhaitez qu'on y ait là où il win. Que bon Dieu a béni, c'était le temps du réveil et de la prospérité. Restez bénis et puis dénimez moi qu'il a appelé pasteur Rodrigue et puis nous qu'il y a. Alléluia. Amen, 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 amen.